Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va s'amuser sur des petits sites sur Google. Hein, les amis? Allez, place à l'intro. Ah merde, c'est à moi de l'envoyer. Cette vidéo est réalisée sans montage. Alors, oui, les amis, bon, je vous explique. On est actuellement lundi. J'ai pas envie de faire du montage. Et cette vidéo sort aujourd'hui même. Donc, je tourne la vidéo sans aucun montage, comme j'avais fait déjà sur une certaine vidéo. Et vous savez quoi? Eh ben, j'utilise comme d'habitude mon petit Stream Deck. Comme vous pouvez voir, mes RAM sont allumées aussi. Voilà. Oui, bon, je sais, je chipote pour pas grand-chose. Mais du coup, aujourd'hui, on va s'amuser sur Google. Et quand je vous dis sur Google, c'est... Alors, je me suis marré. Quand j'ai vu ça, je vais pas vous mentir, je me suis marré. Si vous tapez spinner sur Google, et ben vous n'avez pas d'endspinner. Par contre, si vous activez le bouton fidget, et ben vous avez un endspinner. Alors, oui, bon, je vous explique. Les sites que je vais vous montrer aujourd'hui, comme dans la vidéo qui est dans le petit i, là-bas, là-bas, là, là-bas. Là-bas, ouais. Bref. Tous ces sites sont dans la description. Et en fait, du coup, comme dans la vidéo précédente, ce ne sont pas forcément des sites utiles. Là, aujourd'hui, ils vont être un peu plus utiles parce que la plupart des sites sont disponibles gratuitement, librement, partout, y compris au CDI, les enfants. N'utilisez pas cette vidéo pour aller jouer au CDI. Ne faites pas ça comme moi. C'est pas bien. Si, si, faites-le, c'est pas grave. Après, si vous êtes puni, c'est pas de ma faute. Hein. Moi, j'ai rien fait. Hein. Voilà. Bref. Du coup, ouais. Si vous voulez jouer avec un endspinner, bah, vous pouvez. Voilà, c'est disponible sur Google. Sachez-le. Après, ce petit truc ridicule, hein, les amis, on va peut-être passer un petit peu aux choses sérieuses, entre guillemets. Et on va peut-être aller développer deux, trois trucs. Vous voyez ce petit lapin, là? Et bien, bah, va falloir lui faire bouffer ses petites carottes. Voilà, donc, bon, voilà, vous faites comme ça, tac, tac. Je vous montre pour le premier, hein, les autres, vous les ferez vous-même. Il y a 8 ou 10 étapes à faire. Voilà, de petites programmations. Je vous laisse les faire. Je vous préviens d'avance, il y a de la musique. Je retourne une deuxième fois cette vidéo. Mais il y a de la musique, donc faites gaffe. Si vous êtes au CDI, pensez à éteindre la musique. Voilà. Passons au quiz. Alors, le quiz, je vais pas vous mentir, hein, vous faites un peu n'importe quoi. Tac. Voilà. Et voilà. Bon, j'ai mis n'importe quoi. Là, nous avons un ratel. Bref, voilà. Bon, c'est des animaux. Si vous voulez accéder à ce site, soit dans la description, les amis. Soit bah, en tapant quiz de la journée de la Terre. Mais je vous conseille dans la description, ça ira plus vite. Voilà. Zut! Bon, vous pouvez aussi aller jouer au démineur. Bon, je vais pas vous mentir, je suis pas très doué au démineur. Bon bah bref, j'ai réussi à m'en sortir, hein. J'en ai trouvé quelques-uns. Hein. Je suis sûr qu'il y avait de la musique là-dessus. C'est pas grave. C'est quoi? C'était le démineur. C'est pas grave. Donc là aussi, bah, vous pouvez du coup jouer aussi à Snake. Pourquoi pas les amis pour ce cinquième site? Bon c'est Snake, hein. On va pas... Enfin Snake, pardon. Oula. Oula, honte. Je dis Snake, c'est Pac-Man, les amis. C'est pas grave. Bon, bref, c'était pour la journée de Pac-Man sur Google et ils l'ont laissé toujours disponible. Donc, pour ceux qui veulent aller jouer, bah, vous pouvez. Voilà. Bon, après, c'est Pac-Man, quoi.
Bon, bref, voilà, bon, bah, c'est Pac-Man. Vous pouvez toujours aller y jouer au CDI. Voilà, pendant une petite heure, hein, ça vous occupera. J'ai appris aussi, récemment, du coup, pour ce dernier site web, Snake n'est plus disponible sur Google. Tout ça, il est disponible sur Google Maps. Bon, pour ceux qui connaissent pas Snake, en fait, normalement, c'est un serpent qui se balade. Et ben là, qui doit récupérer, je crois, des pommes ou un truc dans le genre. Bah là, du coup, vous pouvez jouer à Snake sur la carte du monde. Alors, je suis pas très doué. Voilà, j'ai tourné en rond très longtemps, mais c'est pas grave, les amis. Bref. Bon, les amis, si cette vidéo vous aura plu, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Si c'est le cas, en tout cas, vous pouvez toujours aussi la regarder. C'est d'ailleurs ces deux petites vidéos-là. Ouais, là, voilà. S'il y a une des de vidéos qui vous plaît. Et puis, les amis, moi, je vais vous dire à la prochaine. N'oubliez pas, le bull, c'est bien. Allez, bye bye tout le monde! C'est quand que ça s'arrête?